Ça y est, nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Introducing the UN Digital ID, a unique and digital identity for UN personnel from the day you join to the day you part. All of your personal, HR, medical, travel, security, payroll and pension data in the palm of your hand. Le mot réinitialisation me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus. Mais nous pouvons être plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Once we can access people's thoughts and access people's emotions, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. Even better than a physical wallet, she can store all her credentials issued by any UN organization in her digital wallet.